Salut les gens, ici Furtifoy, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur Camstasia Studio 7, comment bien débuter et comment l'avoir justement, complet et gratuit. Donc voilà, on commence maintenant. C'est pour Choule, un de mes abonnés. Donc Choule, maintenant tu devras aller sur le lien de la description sur commentçamarche.net, tu cliques sur télécharger, et là tu vas sur bureau. Et tu fais comme stagiaire froid, et tu fais enregistrer, etc. Donc voilà, je vous reprends quand c'est fini. Donc voilà, c'est encore moi. Et oui, ça tourne encore, c'est bien. Donc il faut être méfiant quand même. Donc voilà, vous le mettez sur le bureau. Et tu veux bien te mettre sur le bureau, s'il te plaît? Parce que je peux que ça foutre, moi. Je dois leur apprendre plein de choses en 30 minutes. Ah bah il est là. Ok, donc vous l'ouvrez. Voilà, s'il te plaît, ouvre-toi. Putain, je peux que ça foutre. Voilà, exécuter. Je suis pressé aujourd'hui. Et dehors, il y a plein de neige dont j'ai pas été en cours. Exécuter. Donc voilà, vous avez ça, c'est normal, c'est normal. Tout va bien. Voilà. T'es parti, ça va plus bien. Dans les gueules. Voilà, donc moi c'est, je l'ai déjà mis, donc voilà, tac, je crois que j'en avais ouvert deux, c'est normal, donc vous l'installerez, vous êtes pas con, vous savez comment l'installer, hein, non j'ai pas, donc pour l'avoir en complet, enfin, ils vous demanderont de l'acheter, enfin, non d'abord, oh, casse-toi, s'il te plaît, je sais pas que ça foutre. Donc voilà, vous aurez une icône comme ça, qui est apparue, ça vous pouvez même le mettre. Qu'est-ce que j'ai fait? Corbeille. Non, annule. Corbeille, je t'ai dit. Voilà, tu y vas à la corbeille. Et vous arrivez avec un truc comme ça. Ça va vous demander si vous voulez l'acheter. Vous partez, vous marquez OK. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est vous allez aller dans la vidéo. Mon Dieu, pourquoi il s'ouvre, mon Dieu? Je vous reprends dès qu'il sera fermé. Donc, me revoilà, voilà. Vous irez sur le lien de ça. Vous irez sur cette vidéo-là. Et voilà ce que vous devrez faire. Vous mettrez le nom à remplir. Vous mettrez, alpha, avec le A en majuscule, s'il vous plaît. Mettez le A en majuscule, sinon ça va pas le faire. Vous mettez alpha, A, L, P, H, A. Voilà. Et vous copierez une de ces clés de sécurité. Non. Une clé de code, tout simplement. Voilà, ça. Vous copierez une de ça. Par exemple, celle-là. Non, par exemple, celle-là. Oh. Merde! Par exemple celle-là, voilà. Par exemple celle-là, etc. Vous copierez celle-là, par exemple. Vous mettez alpha et vous ferez OK. Vous arriverez pas sur ça. Voilà, moi je vais le démarrer. Ça vous fera. Vous ne devrez pas le faire à chaque fois, voilà. Ça vous ouvrira une fenêtre comme ça. Trop mal. Moi j'ai déjà fait une petite vidéo délire, regardez, hein. Etc. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous faire montrer? Voilà, donc pour faire les vidéos, vous aurez une image. Voilà, vous avez marqué et enregistrer l'écran qui est là aussi. Et commentaire, ça c'est pour les sans les images mais avec les voix. Et ça c'est pour les images. Donc vous faites enregistrer l'écran. Et voilà, moi c'est déjà en train de faire. Vous aurez un. Enfin, vous aurez ça déjà. Vous aurez là, à la place de arrêter, un bouton marqué enregistrer. Là, voilà, vous l'aurez là normalement le truc. Moi, je me le mets là. Vous aurez un bouton enregistrer. Vous appuyez dessus, il y aura marqué F10. C'est si vous vous êtes trompé et que vous n'êtes pas prêt et tout. Si vous appuyez sur F10, ça va s'arrêter. Et vous devrez re-appuyer sur le bouton enregistrer. Sinon, ça va faire 3, 2, 1. Et là, la vidéo commence. Vous faites tout ce que vous voulez. Tant que ça dépasse pas 30 minutes. D'accord? 30 minutes. Compris. Ok. Donc voilà. Vous ferez. Là, vous avez supprimé, pause ou arrêter. Supprimer, c'est pour. Vous avez tout raté. Vous devez tout recommencer. Vous faites supprimer. Vous marquez oui pour supprimer. Vous faites pause pour que ça s'arrête. Et.
continuez pour que ça reprend. Il y a des raccourcis que c'est F9. Vous faites F9 pour que ça s'arrête et vous refaites F9 pour que ça continue. Après, vous ferez arrêter. Voilà, vous ferez arrêter. Et vous aurez ça qui apparaîtra. Vous aurez un aperçu qui arrivera. Donc voilà, vous appuyez ici. Voilà, vous faites ici. Voilà. Ici, il devrait y avoir un truc. Vous le faites. Pas besoin de pas supprimer, hein. Il doit y avoir un autre truc à côté. Vous faites. Il y aura une image d'enregistrement qui se mettra. Là, vous mettrez votre titre de la vidéo. Et ce qui est important, c'est que vous devrez faire ça. Regardez. Je vais le faire avec... avec ça. Renommé. Moi, je vais mettre Trollolol. Parce que le titre de ma vidéo, ça sera Trollolol. Même si c'est pas vrai. Voilà. Vous mettez ça, vous le mettez en surbrillance et vous faites copier. Voilà, ça va vous remettre ici. Vous aurez exactement pareil que moi à part ça. Voilà. Ça, vous aurez ça, je crois. Attendez. Je sais plus du tout. Attendez, je vais faire un truc. Tac, voilà. Ça marche pas? Ça marche pas. Voilà. Vous aurez ça. Vous faites la petite flèche. Et vous faites YouTube et HD. Si vous voulez pas le faire, vous pourrez pas la mettre sur YouTube. Vous pourrez la mettre nulle part d'autre. Vous appuyez sur OK. Voilà. Là, ça va se charger. Donc voilà. Vous faites produire et partager. Suivant. Là, vous collez votre titre. Moi, c'est trop lolol, hein. Vous faites terminer. Et voilà, vous voyez, vous avez rendu du projet, là. Et vous avez un fichier, là. Attends, je crois que je suis gouré. Ouais, ok, ça, c'est mes plugins. Ça le fera pas. Donc, vous voyez, moi, ça le met parce qu'elle dure à peu près 10 secondes, donc ça va super vite. Mais si elle prend 30 minutes, vous verrez, ça ira pas vite du tout. Et c'est ça qui m'a fait bugger pour l'épisode 5 de Skyrim. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Vous faites terminer. Vous faites quitter. Vous enregistrez les modifications. Et vous collez le titre. Enregistré, ok, et voilà, là vous avez votre vidéo qui est là, voilà, le mien elle est là, mais ne prenez pas en compte les plugins, je me suis gouré, là vous voyez, vous avez votre vidéo qui est là, voilà, vous pouvez la lancer si vous voulez, voilà. Voilà, vous allez sur YouTube, vous vous connectez à votre compte, et oui, je suis abonné à Cyprien, et alors, putain, vous faites chier. Ajoutez une vidéo, sélectionnez, sur le bureau, vous cherchez votre dossier, moi c'est le dossier... Trollolol, c'est le titre. Le titre, voilà. Là, vous cherchez votre vidéo qui est dedans. Moi, c'est avec VLC Player, déjà. Etc. Là, vous voyez. Moi, j'ai mis comme ça. Voilà, c'est bon. Après, vous. Voilà, jeux vidéo et autres. Moi, en faisant. Trollolol. Voilà, etc. Quoi, c'est Jamie Henry? Merde, il faut que j'arrête direct. Je l'arrête direct parce que... Merde, j'ai fait une connerie là. À l'aide. Voilà, vous voyez. Tac, action, supprimer. Ok. Voilà. Et voilà, vous. C'est fait. Bon, maintenant, je vais vous prendre ce que je sais faire. Il reste encore 20 minutes. Bah, c'est parfait. Donc, vous lancez votre machin. Je peux te lancer, s'il te plaît. C'est très long, comme d'habitude. Lance-toi, s'il te plaît, putain. Je vous reprends d'excellence. Donc, me revoilà. Je suis là. Voilà. Pour les 10 minutes. Et si par exemple, vous avez un truc comme ça,
et que vous avez un fichier comme ça, là. Celui-là que je bouge, là. Celui-là. Et ben, vous glissez ici, voilà, vous aurez vos trucs, voilà. C'est un petit truc que j'avais envie de vous dire pour le fun. Ça, vous mettez ça ici. Ça, ça va vous remettre YouTube et HD. Si vous voyez, par exemple, que votre son, il est comme ça. S'il te plaît. Et qu'il est trop fort. Vous faites ça. Modifiez l'audio. Baissez le volume. Et ça fait... Ou montez le volume. À mort. Par exemple. Et moi, je me suis encore... Ouais. Donc voilà, comme ça. Voilà, c'est fait. Tac. Là, c'est bon. Tac, on peut pas... Non, c'est bon. Après, vous allez dans... Par exemple, si vous voulez faire une image, comme moi, qui est... Tac, tac. Je supprime tout. Par exemple, ça. Voilà, tac. Voilà, si vous voulez mettre une image, voilà, je vais vous faire montrer. Ne prenez pas en compte, vous le ferez après, voilà. Tac, épisode 5, voilà, tac, tac. Je vais vous expliquer après. Tac, petit zoom, tac. Pas besoin de 10 secondes. Allez, si vous voulez que ça fasse un truc comme ça. Ah non, ça, faites pas la boulette comme moi, mettez ça ici. Si vous voulez que ça fasse une image, comme ça, pendant quelques secondes, moi j'ai mis 15, je crois, ou 20. Salut les gens, et qu'après, ça fasse ça. Ça, j'étais crevé. C'était il y a une heure. Pardon. Voilà, si vous voulez mettre votre image ici, vous supprimez du plan de montage. Tac. Vous allez sur le site qui est dans la description, qui est GraphMe. Bon, oui, c'est parce qu'en fait, j'ai fait un tuto, mais je l'ai raté. Donc, vous allez sur GOOGLE image. Image. Si par exemple vous faites, moi je fais pour ma série par exemple, tu peux t'effacer s'il te plaît, Skyrim. On cherche une image de Skyrim. Waouh! Non, je rigole. Voilà, on va prendre laquelle? Voilà, celle-là par exemple. Tac. Vous cliquez dessus. Vous faites enregistrer l'image sous. Vous mettez... Moi, je vais mettre le titre de la vidéo. Je vais mettre 2i parce que sinon, ça va me faire laguer. Dans 3 parce qu'en fait, j'ai 3 images qui s'appellent comme ça. Skyrim. Image, par exemple. Image tuto, allez. Voilà. C'est bon comme ça. Skyrim, image tuto. Et j'ai complètement oublié de vous dire qu'en fait il fallait. Putain, je suis con. Attendez les gens. Voilà. En fait, il faut faire enregistrer l'image sous image. Image. Et là, vous faites Skyrim. Image. UTO. Voilà. Faut mettre dans les images impérativement. Voilà, vous repartez sur GraphMe. Là, vous arriverez sur une page comme ça, vous descendez jusqu'à là. Vous choisissez un fichier. Moi, c'est dans les images. Voilà, c'est laquelle. C'est elle. Non, c'est pas elle. Si, c'est elle. Ouvrir, c'est elle. Le texte, par exemple, vous faites épisode 1. Vous choisissez votre police. Ah, je vous ai... Merde. Je vous ai pas dit, mais ça, c'est ce qui est marqué sur l'image. Vous choisissez l'emplacement où il sera marqué, où ça sera marqué. Par exemple, moi, je vais marquer comme ça pour me marrer. 60 PTS, hein, pas comme ça, parce que sinon, on va rien voir. Ni comme ça, sinon, on va rien voir aussi. 60 PTS.
Voilà, là vous moi je choisis toujours bleu et rouge. Choix de la bordure, normalement c'est noir et noir. Vous mettez blanc et blanc. Sens du dégradé. Si vous voulez que ça reste comme ça, si vous voulez que ça fasse de gauche à droite, si vous voulez que ça fasse de bas en haut, si vous voulez que ça fasse de en bas à gauche à en haut à droite, si vous voulez que ça fasse de en haut à gauche à en bas à droite, moi je prends comme ça. Et vous faites créer. Ça va faire l'image. Et voilà. Mais là, vous allez voir qu'il y a un petit logo avec un point d'interrogation. Vous remontez et vous voyez qu'il y en a un autre ici. Donc vous supprimez, vous mettez un E parce que vous êtes con. Non, je gueule. On met un E et on fait créer. Et là, vous voyez que ça met épisode comme ça. Donc vous faites enregistrer. Et je vais vous avoue une méthode pour faire, par exemple, Skyring épisode 1 TUTO. Plutôt. Vous faites copier pour pas être con, copier, enregistrer dans les images, bien sûr. Après, pour faire une série, si vous n'avez pas de temps à perdre, vous faites comme ça, comme moi à chaque fois. Vous faites comme ça, vous recréez, vous faites enregistrer l'image, vous faites tac, tac, coller, tac, vous remplacez le 1 par 2 parce que vous n'êtes pas con, tac, tac, tac. Hop là, tac, voilà. Tac, tac. Enregistrer l'image sous, c'est bien dans les images. Tac, tac. Coller, vous remplacez le 1 par un 3 cette fois. Oh putain, donc la 3. Enregistrer, etc. Donc voilà, vous avez vos images. Vous pouvez supprimer GraphMe de votre truc. Ça, c'est ça aussi. Vous pouvez aussi supprimer ça aussi, voilà. Donc maintenant vous faites ça, j'en ai pas besoin. Vous faites apporter média. Vous prenez votre image que vous avez fait grâce à GraphMe, épisode 1 tuto par exemple. Vous le mettez là-dedans. Vous mettez un zoom, voilà comme ça. Moi je mets toutes les secondes, voilà. Toutes les secondes, là c'est une seconde, là c'est deux secondes, etc. Je vais mettre à 3 secondes. Tac, voilà. Ça, oubliez pas de le régler comme ça. Salut les gens. Et voilà ce que ça ferait. Pendant 3 secondes, ça va faire ça. Etc. Et après, vous faites pareil et tout. Après, vous faites produire et partager. Vous remettez votre... Donc, vous faites produire et partager. Vous aurez votre image tout bang, tout est cool, tout shit, etc. Là, on supprime. Et maintenant, on va... Putain... Voilà, on va savoir comment faire des légendes, des tutos. Merde, je sais pas comment on dit. Non, je sais pas comment on dit. Des légendes, pas audio. Donc, je sais, une zone de texte, voilà, vous allez dans bibliothèque. Là, vous voyez, vous avez des musiques. Voilà, vous avez des photos. Faire des vidéos plutôt, celle-là que je préfère, celle-là, enfin non, ça c'est des sons, oui, ça c'est vraiment de la merde, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, et le dernier qui est celui-là. Moi, franchement, je prends lui. Vous le mettez là-dedans, entre là-dedans. Oh, ça dure quand même 10 secondes, donc on va le rétrécir à 8. 8. Ça, vous remettez ça. Jamais oublié. Tac. Et voilà, là, vous mettez légende. Vous faites les petites flèches là. Vous faites texte. Vous mettez votre texte. Voilà. Allez, par exemple, Lotif Power, 10 ans. Oh là là. Par exemple, après, vous mettez en bleu, par exemple, si vous voulez. En 72, si vous voulez.
Hein? Parce qu'on est des fichous. Et parce que j'ai oublié de faire ça. 72. J'ai dit en bleu. Parce que j'adore le bleu. Non, je rigole. Si vous voulez, vous mettez même en comme ça. Disons trollolol. Voilà. Bon, après, vous pouvez déplacer ça en bas. Hein. Voilà, vous pouvez le rétrécir si vous voulez. Là, vous descendez, vous voyez ouverture fondue, vous en mettez. Parce que comme ça, c'est plus beau. Comme ça, voilà. On est des bugueuses. Et voilà. Vous faites ça. Ça fait ça. Et ouais, on a oublié un truc. Vous allez dans la bibliothèque et vous n'avez pas pris la musique. Non, celle-là. Voilà, celle-là. Celle-là, voilà. Comme ça. Tac. Ça fait comme ça. Et après, vous pouvez en faire une autre. Et ben, me voilà, j'ai été manger. Donc, vous voyez que la touche F9 est très utile quand vous avez besoin d'aller manger ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, moi. Voilà, je sais même plus où j'en étais du coup. Donc, voilà. Ouais, voilà, on avait mis la musique. Attends, on a mis. On a mis la musique. Et ben voilà, j'ai tout ce que je vous ai dit, je crois que j'ai tout dit. J'ai dit ça. Ouais. Ouais, bah ouais, j'ai tout dit, hein. Attends, je regarde si j'ai pas d'autres trucs à vous dire. Après, je sais que ça, moi. Je suis pas fifou de ça. Comme vous voyez, je suis nouveau sur YouTube. Par exemple, là, je croyais que... Ah ouais, si vous voulez faire ça aussi. Pour, par exemple, vous devez faire CTRL-V, vous pouvez faire... Merde. Excuse me, vous pouvez faire, par exemple, CTRL en faisant comme ça. Vous faites ça, vous faites ça. Voilà, ça vous met là, vous mettez... Vous cliquez la touche CTRL et voilà. Non. Et voilà, je vous ai tout appris. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à tout à l'heure pour les épisodes de Pokémémo. Donc, comme tout le département de l'Oise est en neige, personne n'a pu aller au collège. Il n'y a pas d'enseignants, il n'y a personne au collège. Donc, c'est bien pour moi. Et je vous souhaite... Je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui sont dans l'Oise. Et je vous dis, abonnez-vous, laissez un commentaire, laissez un pouce vert si vous aimez, et laissez un pouce vert si vous aimez pas. Au revoir.